Bonjour tout le monde, bienvenue. Hello, hello à toutes et tous pour ce nouveau live créatif. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Muriel, bienvenue à toi. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, il est 14h et nous nous retrouvons pour notre traditionnel live créatif du mercredi après-midi. Je suis ravie de vous accueillir. Coucou Lulu, bonjour Nathalie. Hello Crapouillot. Coucou Fabienne, bah oui je sais en attendant la piqûre. Coucou Sandrine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui me suivent chaque semaine et également à toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. N'hésitez pas à vous manifester, à me faire un petit coucou en commentaire. Coucou Laurence, bonjour Sandrine, coucou Rachel. J'ai un vilain chat dans la gorge aujourd'hui, ça va aller. Coucou Ticia, comment tu vas ma belle? Je suis très très heureuse de vous retrouver. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, ça y est, l'été approche, ça fait du bien. Coucou Marianne, bonjour Rachel. Ah, sous l'orage Rachel, je suis désolée, ici on a un temps magnifique. Coucou Viviane. Sinon Rachel, il y aura le replay, hein, ne vous inquiétez pas, vous le savez. Coucou, bonjour Camille, bonjour Patricia, hello Cathy, ça va ma belle? Super, je vois que tout le monde arrive tranquillement, donc c'est génial. Donc vous le savez, aujourd'hui, coucou Valérie, nous allons faire un mini-album. Je n'en fais pas très souvent en live, effectivement. Bonjour Evelyne, coucou Ingrid. Vous avez vu qu'il y a pas mal de découpes, hein, du coup. Donc vous avez pu au préalable éventuellement télécharger la liste du matériel. Coucou Nati, bonjour Martine, bienvenue Candice. Hello ma Sandrine. Alors j'essaye de voir, hop c'est bon, ça a l'air de le faire. Coucou ma Béatrice. Donc oui, vous avez pu au préalable, je l'avais posté donc samedi sur mon blog, la liste des mesures, puisqu'il y en a pas mal, mais ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué, ne vous inquiétez pas. Bonjour Isabelle. Donc, ce que je vous conseille. Dis donc, Crapouillot, t'as décidé de me planter dès le départ? C'est pas très gentil, ça. Hein. Coucou Virginie. J'ai mon ordinateur qui pipe, je sais pas pourquoi. Merci Lulu, c'est adorable. Sous le soleil aussi, Béatrice, c'est top. Crapouillot, c'est pas gentil. Hein. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Alors, oui, je sais Laurence, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc, je disais, pour celles et ceux qui éventuellement n'auraient pas eu le temps de préparer tout le papier en avance, je vous invite tout simplement à profiter du live tranquillement, à voir comment il se réalise, d'accord? Et puis, de faire ensuite dans un second temps, grâce à la fiche technique qui sera disponible donc sur mon blog après le live. Vous pourrez la télécharger, vous aurez toutes les mesures, vous aurez le schéma que je vous afficherai pendant le live, pardon. Et puis, vous aurez le replay vidéo, effectivement. Coucou Daniel. Oh, je suis désolée, du coup vous êtes sur le bord de la route là avec le téléphone. Bon courage. Il a été vilain, Cathy. Il me met la pression déjà tout de suite avant de démarrer. Coucou Louison. Donc voilà, si vous n'avez pas eu le temps de préparer tous vos papiers, pas de panique. Moi, les miens sont déjà prêts pour que le live ne dure pas 3 heures, sinon vous allez vous ennuyer, d'accord? Donc si vos papiers ne sont pas prêts, pas d'inquiétude. À la fin du live, une petite demi-heure après, vous allez sur mon blog harmoniscrap.fr, vous téléchargez la fiche technique et puis vous reprenez le replay tranquillement. Ah oui, ça doit calmer ma pauvre Ingrid, bon courage, donc profitez tranquille. D'accord, donc pas de panique, tout va bien se passer, vous allez voir, de toute façon c'est quelque chose de très simple. Bonjour Dominique, oui Cathy, exactement. Très très simple, vous allez voir. Une feuille 30,5 par 30,5 de base,
D'accord. Et puis ensuite, du papier blanc, du papier design, et le tour sera joué. Je suis désolée, j'ai vraiment un chat dans la gorge, ça me gratouille. Pardon. Bonjour Karine, comment allez-vous? Alors, du coup, je vais vous montrer comment se compose donc ce mini-album. Je vais retourner ma caméra. Coucou Émilie, ça va ma belle? Oui, Flo, voilà, il n'y a pas de souci, on y va tranquille. D'accord. Oui, Béatrice, c'est vrai que tu es en cure, ma belle. J'espère que ça se passe bien. Oui, Monique, beaucoup, beaucoup de boulot, je sais. Bon courage, bon courage. Ça va aller. Voilà. Ah, les moustiques s'invitent quand ce ne sont pas les mouches. Allez, c'est parti, je vais retourner. Voilà. Et du coup, oui, ça va pas mal. Émilie, écoute, il fait beau. Voilà, l'été arrive tranquillement, donc tout va bien, c'est un vrai bonheur. Alors, je vais faire ça parce que ça m'agace. Voilà, hop, et du coup, on va y aller. Donc, vous avez déjà aperçu plusieurs fois, je pense, la collection que j'ai utilisée donc pour la présentation, pardon, de ce mini-album qui n'est autre que Croquis du Jardin. C'est une collection qui est toute douce, toute tendre par ses couleurs pastel, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Isabelle, je suis désolée qu'il pleuve chez vous, ça va aller mieux, vous allez voir. Merci Monique, plein de bisous à toi ma belle. Cathy qui met des petits cœurs partout. T'es trop mignonne. Elle est belle hein, la collection. Ouais, elle est belle. Donc voilà comment se présente ce mini-album. Donc c'est un mini, hein, comme vous voyez. Oui, Lulu, elle est magnifique. Hop, ici à l'arrière, regardez ce sentiment qui est vraiment trop trop beau. Ici, donc la découpe, je l'ai d'abord, j'ai fait le contour avec le papier vélin. Oui, Émilie, nous sommes d'accord. Le papier vélin pour le contour, du papier blanc ici. J'ai essayé de vous faire. Voilà, vous avez vu? Comme c'est trop beau avec les gemmes géniales ici, le superbe ruban en macaron. Voilà, c'est une collection trop belle. Ah, Isabelle, bon, ça va aller alors. C'est pas la page 68, ça, hein, c'est la page 104, crapouillot. C'est un peu flouté, oui, il y a des choses que je peux pas gérer, je suis désolée, je fais ce que. Tout ce que je peux avec le matériel que j'ai, mais voilà, étant en pleine campagne, je ne bénéficie pas encore de la fibre. Donc j'ai investi dans un routeur pour essayer de capter la 4G. C'est toujours mieux que la DSL, mais voilà, du coup avec le partage sur Facebook, c'est pas toujours nickel, nickel, mais ça devrait aller. Donc si je rapproche un peu plus, peut-être que ça vous aidera. Voilà. Donc, alors, voici. L'album ouvert. Ah, tu vas le faire avec la page 68. Autant pour moi, crapouilleux, je n'avais pas compris. Nous avons des petits rabats ici. Voilà. Hop. Et hop. Voilà comment. Oui, c'est galère, Lulu. Hein. C'est une vraie galère. Merci, Béatrice. Voilà comment il se compose. Hop. Et donc voici l'arrière de ce mini. Donc on peut déjà y mettre pas mal de photos, hein, on est d'accord. Évidemment, les parties qui sont décorées, vous pouvez aussi. Muriel, tu as beaucoup de chance, malheureusement, je n'ai pas cette chance-là. ici, donc j'ai mis du papier design, mais si vous avez plus de photos, vous pouvez aussi très bien mettre du papier blanc et décider de mettre vos photos ici. D'accord? Ça marche? Merci Laetitia. Voilà, voilà comment il se compose. Hop! Nati! Attends, le dernier challenge, il était fait pour toi. Donc là, du coup, ça va te faire sortir de ta zone de confort. Faut que t'essayes. T'as pas le choix.
C'est vrai que l'avant-dernier, il était fait pour toi, hein, quand même. J'avais beaucoup pensé à toi, d'ailleurs. Alors, pour cette collection de croquis au jardin, du jardin, pardon, je vais quand même vous montrer à quoi ça correspond. Regardez-moi ça. Voici le fameux papier design. Vous en avez l'habitude pour celles et ceux qui me suivent. Vous savez que les présentations sont donc faites en recto verso. Et vous avez également ici tous les papiers unis. Tous les papiers unis qui sont coordonnés à cette collection. Voilà, vous avez vu. Voilà pourquoi je dis que cette collection est très tendre, très douce. Moi, j'aime beaucoup. Ah bah oui, Nati, tu m'étonnes. Et vous le savez, il y a toujours les papiers design et quand il s'agit d'une grande collection, c'est toujours accompagné, bien sûr, de sets de tampons et de poinçons et ou perfos. Là, en l'occurrence, nous avons des poinçons. Voilà, vous avez un exemple de tous les tamponnages, les découpes qui sont possibles d'obtenir, qu'il est possible d'obtenir avec cette collection. Voilà, je voulais quand même que vous sachiez avec quoi j'avais réalisé ce mini-album, mais de toute façon, vous le savez, également sur le blog, vous retrouvez toute la liste des produits que j'ai utilisés. Oui, ma Sandrine, je sais. Aujourd'hui, je vais travailler dans des couleurs complètement différentes. Et pour cela, oups, j'ai attaqué la libellule. J'ai utilisé la collection Motif en fête. Voilà, qui est très colorée et également plein de couleurs. Et noir et blanc, pardon. Tout va bien. Et ça, c'est une collection de papier. En fait, vous imaginez, vous avez 48 motifs. Et ça, c'est un papier que vous pouvez obtenir lorsque vous décidez soit d'être hôtesse pour un atelier, physique ou virtuel, hein, pas d'importance, ou simplement pour vos commandes qui atteignent le palier des 200 euros. Donc ça, c'est une super collection et ce ne sont que des papiers 30-30, donc vous avez un sacré paquet de papier qui dure un moment, ça c'est sûr. Et puis bien sûr, avec le côté noir et blanc que vous pouvez laisser tel quel ou vous amuser à coloriser, je trouve ça vraiment génial. Ah Lulu, bah c'est parfait. Alors si tu fais avec cette collection-là, c'est top. Crapouillot. Oui, Sandrine aime beaucoup, beaucoup, presque toutes les collections. Non, il y en a pour lesquelles elle n'est pas tout à fait fan, hein. Allez, on y va. Et du coup, je vais ajouter hop, les petits macareux de Party Puffins. Je vous montre tout ça? Allez, on y va. Hop, c'est parti. Donc, je vous le répète, pas d'inquiétude pour le nombre de papiers qu'il y a. Vous ferez ça en replay tranquillement pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de préparer les papiers. Hop, je ne vais pas tout vous montrer tout de suite. Voilà. Hop, ah! C'est gentil, rattrape-toi. Ok, donc j'ai préparé tous mes petits papiers, j'ai tout regroupé dans l'ordre, mais on va d'abord faire tout de suite hop, la base de cet album. Alors, je vais déjà dans un premier temps hop, vous montrer le schéma de pli et de coupe. Voilà. Donc là, je vais travailler avec le papier tarte au potiron de la collection des royaux chez Stampin' Up, bien sûr. Alors, je vous donne un aperçu, voilà, du schéma. Ok? Ça marche? Alors, est-ce que, n'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà ce mini-album, il vous plaît, si vous avez envie de le réaliser. Et puis, bah, du coup, je ne sais pas si vous le ferez en direct, en replay. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour vous répondre. Et puis, j'ai également ma petite Sandrine Chérie qui sera là si je rate des questions, ce qui est possible. Voilà. Donc, vous avez un aperçu donc, de ce que nous allons réaliser là avec la base de l'album. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Et du coup, maintenant, on est parti. On s'y jette.
Alors, Crapouillot en direct, Nathalie en replay, ça marche, pas de problème. Ah, c'est gentil, Lulu, merci beaucoup. C'est top. Alors, on y va, c'est parti. Donc là, nous avons notre base de papier en 30,5 par 30,5. On ne touche pas, on le laisse tel quel. On va pour l'instant simplement faire des plis et puis faire des petites découpes hein, que je vous ai montrées donc, sur le schéma. Louison en replay. Oui, vous avez t'as raison, Louison. Il faut regarder tranquille et faire après, il n'y a pas de souci. Rachel, oui, évidemment, pas de problème. Ça marche. Alors, on y va. Donc, on est sur ce papier. 30,5 par 30,5. Bonjour, Paul. En replay. Ah, c'est Maryse, pardon. Donc, bonjour, Maryse. Et en replay, pas de souci. Coucou, Laurence. Ça va, ma belle? T'inquiète pas, je commence juste la réalisation. Muriel, tu essaies en direct, mais t'as pas coupé tous tes papiers. Ok, bon, tu t'inquiètes pas si t'as pas le temps de finir. Tu finiras après, il n'y a pas de souci, il y a des courants d'air chez moi. Les portes claquent. Alors, on y va. Le premier pli est à 9,9. Hop. 9,9 pour le premier pli. Le deuxième pli est à 10,5. 9,9, 10,5. Camille, moitié-moitié, pas de souci, ma belle. 9,9, 10,5. Le troisième à 20. 20 cm. Et le quatrième à 20,6. Gros stress, mais pourquoi, ma belle? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, super. Oh, bon courage, ma Fabienne, je pense à toi. Béatrice, bonne idée. Bonne idée, l'album photo de la petite puce. Merci, Sandrine. Je retourne mon papier. Hop. Et là, je viens marquer un premier pli à 5,1. Le deuxième à 17,8. Et le dernier à 26,7. Voilà, nos plis sont faits. Ça, c'est bon. Maintenant, on va avoir besoin de notre plioir et de nos ciseaux. J'ai perdu mon plioir en os. Il est là. Il est caché. Ah ben non, il était là. Alors, on vient marquer les plis tranquillement. Juste un peu pour l'instant, les plus grands. Voilà, juste pour faire un premier repère. Et on va venir couper. Alors, vous allez voir que. Ok, ma Laurence, ça marche. On parle après en message privé, il n'y a pas de souci. Bon courage. Donc, vous allez prendre la partie la plus courte vers vous. Alors, vous allez voir, vous avez des rectangles qui sont plus courts en haut qu'en bas. D'accord? Donc là, ici. Je mets cette partie-là vers moi et la plus grande en haut. Ça marche? Bien. Cette petite partie courte. Jocelyne, bon courage. Bon courage. Gros, gros, gros bisous à vous deux. Cette partie courte ici sera en fait, je vous montre, le haut de l'album. D'accord? Ce sera la partie la plus courte. Ça marche? Hop. Alors, nous allons simplement venir déjà
couper les deux petits plis que nous avons là. D'accord ? Ça veut dire qu'on va avoir un espace en trois volets. D'accord ? Donc, je viens couper. Voilà, je m'arrête à la première ligne de plis ici. Et je me sépare, hop, de ça. Ah, Cathy, je suis désolée. Merci, Laurence. Voilà. Hop. Et hop. OK ? Donc là, en fait, on a coupé la petite bande de plis qu'on avait marquée. Ah, bah super, reste un peu avec nous alors, Jocelyne. Super. OK, c'est bon. Donc ça, on va venir le couper après. Je vais, hop, retourner. Voilà, je prends mon schéma, pour ne pas vous faire faire de bêtises. Et là, on va faire le même principe. Donc, je viens couper ici. Alors, attendez, je respire un coup parce que j'ai peur de vous faire faire des bêtises. Alors, j'ai un coup de stress d'un coup. C'est trop bête, hein ? Je l'ai fait plusieurs fois déjà. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein ? Mais je sais pas, j'ai un coup de chaud d'un coup. C'est Crapouillot qui m'a mis la pression dès le départ. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il me manque un pli. Mais bon, tout va bien. Donc, là, hop. Bougez pas. Voilà. Ça va m'aider comme ça. Comme ça, je vais pouvoir respirer un grand coup. OK. Vous voyez, ça va donner ça. Et puis vous aussi, du coup, ça va vous aider. Donc, on va couper ici les petites bandes dont on a le pli. D'accord ? OK. Et dans l'autre sens. Attendez. Là. C'est bien qu'il y ait un truc qui n'allait pas. Voilà. Donc, nos bandes ici, elles vont être coupées tout le long. Faut pas m'en vouloir, hein. Voilà. Alors, hop, on respire, on y va, c'est reparti. Donc, nos petites bandes de plis ici vont être coupées jusqu'à la deuxième bande de plis ici. D'accord ? Ici également, nous allons couper donc la petite bande de plis et nous allons nous arrêter à la première bande de plis. OK ? Allez, c'est parti. On y va. Vous voyez pourquoi ? En fait, je me suis mis la pression toute seule en me disant, bon, en live, c'est un peu chaud. Il y a beaucoup de mesures. Pourtant, c'est super simple. Voilà. Ça a beau être le 60e live. Donc, la 60e semaine où je fais un live. Eh bien, figurez-vous que j'ai toujours autant le même stress, la même pression. Voilà. J'ai peur de me planter, de vous perturber, de vous faire faire des bêtises, de ne pas vous satisfaire. Donc, j'ai toujours un trac hallucinant à chaque fois. J'espère qu'un jour, ça va me passer. Ça serait cool. En plus, c'est tout bête, hein. C'est vraiment tout bête. Voilà. Hop. Bonjour Viviane. Ah oui, c'est flou. Attendez. Je vais essayer de zoomer un truc.
Voilà. Oui, je vois que c'est flou, hein, Muriel. Le petit coup avant, Lulu, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je suis pas sûre que ça le fasse. Hop, allez, on va venir couper ça. Zou. J'aime bien l'idée, mais bon. Pas sûr, hein. Voilà, on se sépare de cette petite bande. Crois que mes ciseaux rendent l'âme. Merci Cathy. Voilà. Hop. Oui, il n'y a pas de souci, Viviane. Bon après-midi. Voilà. Ok. Donc, on y retourne. On regarde à nouveau. Voilà. Ça va se passer comme ça. Oh, Cathy, non, mais je te jure. Au secours. Hop. Donc, on n'oublie pas ici. On vient découper les deux petites bandes ici maintenant. C'est parti. J'ai cru que j'avais fait une bêtise. Les deux petits plis ici. Donc on s'arrête à la première ligne de plis. Voilà. Et pareil ici. Ah oui, ça, tu me détends, il n'y a pas de souci. Ils veulent me faire picoler maintenant. Quelle idée, je vous jure. En plus, je supporte pas l'alcool, alors. Un verre et c'est fichu, je suis finie. Ah, ça prouve que j'ai pas l'habitude de boire. Bon, bref, c'est pas le sujet. Non, non, vous allez pas réussir à me faire chanter. Non, 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 je suis pas d'accord. Toujours pas. Et même quand j'ai bu un seul verre et que j'ai un peu chaud, je ne chante toujours pas. Croyez-moi. Mais j'ai pas dit que j'allais prendre de l'alcool au Zoom apéro, hein, crapouillot. Ok, bien. Alors, voilà, on a la base. C'est ça que je ne fais pas de live, je stresse trop. Bah oui, ça fait rigoler, hein, mais du coup, ça donne chaud aussi, hein. Ok, voilà. Donc, vous le voyez, on va se séparer ici de ces deux morceaux-là, mais on va garder par contre celui-ci. Je le prends dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Hop, voilà, donc on a les grandes parties, comme je disais tout à l'heure, ici, la plus courte, ici, là, on va la garder. Et on coupe les deux rectangles des deux extrémités. Vous verrez, avec le schéma, ça va aller tout seul. Voilà. Et ici. Voilà. Notre base d'album, elle est faite, on l'a comme ceci. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai arrondi ici certains angles. Alors, comme d'habitude, hein, c'est une option. Si vous avez une perforatrice pour pouvoir le faire, faites-le, si ça vous plaît aussi. Par contre, si ce n'est pas votre truc, n'hésitez pas. J'ai fait tarte au potiron pour le live d'aujourd'hui, Lulu. Tarte au potiron. Et là, c'était fleur de cerisier. Je prends ma perfo que j'ai oubliée. Voilà. Hop. Et je viens donc arrondir. Du côté petit, tu coupes. Qu'est-ce que tu dis, Petitia?
Moi, pas comprendre. Donc là, comme d'habitude, vous le savez, trio détaillé. J'adore cette perforatrice. Quand je dis ça, j'ai l'impression de penser à... J'adore les sushis. Mais non. Ah, c'est la perfo. Hop. Voilà, donc on arrondit les angles. Merci Letty, ça va être compliqué de te l'envoyer. Et en même temps, ça fait des années que je l'ai celle-là. Mon Dieu! Elle est aussi vieille que moi. Non, pas tout à fait, mais presque. Ok. Et je vais également arrondir ceux du bas. Hop. Voilà. Merci Sandrine, elle est super pratique. Hop. Et normalement, c'est le petit dernier. Yes, c'est bon. Coucou maman. Voilà, donc ça y est, on a, hop. On a la base du mini-album. Bah Makati, t'inquiète pas, je suis sûre que tu vas trouver, t'en fais pas. Alors, lorsque notre album est fermé, donc vous voyez celui-là, je le ramène vers moi. Voilà, celui-ci remonte. Ce volet-là descend. Celui-ci, hop, également. Celui-là, pareil. Voilà. Et voilà. Et donc. Il va se refermer ici. Si, c'est pas compliqué en soi. Hein. Oui, Fabien, il n'y a pas de souci. Pas de problème. La fiche technique, le replay, tout ce qu'il faut après pour le refaire. Donc là, vous verrez, par rapport à la fiche technique, on a la face avant, la face arrière et ici l'intérieur. Ok ? Et donc bah maintenant, on va commencer la déco. Avant toute chose, je vais commencer par poser le petit ruban qui va nous servir à maintenir fermé ce mini-album. Ici, hop, vous le voyez. Donc là, on est sur l'arrière, hein, on est sur l'extérieur. C'est encore très flou. Voilà. Donc, j'ai ici mon petit ruban qui est là. Sur la partie qui va être donc l'avant de l'album, d'accord, donc un ruban, une ficelle, peu importe, donc on va le coller sur la partie avant de l'album, sur la droite, et le deuxième morceau va être posé sur la partie centrale de l'album à gauche, d'accord, pour que quand on le referme, les rubans se rejoignent. Donc, je répète, l'extérieur ouvert de l'album, une partie donc, qui sera sur l'avant, ici sur la droite, et l'autre morceau de ruban, la partie centrale, sur la gauche. Oui, tu fais absolument ce que tu veux, Makati. Si tu veux faire avec des aimants, oui, il n'y a pas de souci. Réfléchis bien à l'endroit où tu vas les poser, et selon l'endroit, ça sera peut-être pas forcément... sur la partie arrière, parce que si on le referme, tu vois, hop, si je le referme, voilà, toi, au final, il faudrait que ce soit sur cette partie-là, ton aimant, d'accord? Lui, toi, il pourra pas être sur la partie arrière comme j'ai mis le ruban ici, d'accord? Donc, il faut que tu juste que tu réfléchisses différemment à l'endroit où tu vas poser tes aimants, d'accord? Ça marche? Donc, ici, je retourne mon album,
Voilà, hop. Et donc, on se souvient qu'on le place sur... Tu veux bien rester fermé? Merci beaucoup. Vous voyez, je vous mets ça ici. Donc, j'ai un ruban qui va venir se coller ici sur la droite et un autre ici sur la gauche. D'accord? Si vous voulez centrer au mieux, il faut faire une à peu près à 6,3 cm. Voilà une petite marque hein, depuis cette ligne de pli. Et pareil ici à 6,3. Faites en sorte de bien faire tenir votre ficelle ou vos rubans. D'accord? Parce qu'en fait, quand on les travaille, on a tendance à tirer un peu dessus. Donc n'hésitez pas à mettre du double face pour que ça tienne bien. Je suis en train de chercher. Voilà. J'ai choisi celle-ci. La ficelle qui fait partie de Joyeux Compagnon. Voilà. Donc je vais venir la mettre ici. Et là. Voilà. Et je viens tout de suite mettre mon double face. Ok, j'espère que ça vous aide. Donc, autre petite chose, ne venez pas coller votre double face tout à fait au bord de votre album, puisque vous voyez ici, nous avons, regardez, le matage et le papier design. D'accord? Donc, il ne faut pas venir le coller tout à fait au bord, sinon il va dépasser ici. D'accord? Donc faites attention à ça. Laissez-vous quelques petits millimètres pour laisser passer votre matage. Ici, je vais mettre deux petits bouts pour être sûr que ça tienne bien. Si le scotch reste collé à mon doigt, ça ne va pas être pratique. Alors, ça va le faire. Je suis désolée hein, pour mon coup de pression de tout à l'heure. Je ne saurais l'expliquer. Voilà. Je suis un peu comme ça en fait. J'ai tellement peur de vous induire en erreur et de vous faire passer un mauvais moment alors que le but c'est qu'on passe un bon moment tous ensemble que parfois je me mets un peu trop la pression et voilà. Et je perds mes moyens. Voilà. Hop. Ça, c'est OK. Alors. Eh bien, maintenant, nous allons nous attaquer donc à la déco, donc les papiers matage, le papier design pour toute cette déco, le papier blanc aussi pour indiquer l'endroit des photos éventuellement. Merci Gazelle. Donc c'est parti, on y va. Hop, je prends tout ça. Voilà. Et puis, allez, on va commencer par l'intérieur. Ah, Cathy, je suis désolée pour les coupures, ma belle. Reconnecte-toi peut-être. Ok. Alors, ici. Je t'en veux pas, crapouillot. Hop, je reprends. Ça, c'est pour la partie intérieure de l'album. J'ai tout marqué pour être sûre de ne pas. Hop. Me tromper. Donc là, on est sur du papier blanc, ici, qui mesure 9,3 par 12,1. 9,3 par 12,1. J'ai simplement pris donc un morceau de papier blanc, j'ai tamponné le petit appareil photo, j'ai encore utilisé ma perfo trio détaillé pour lui donner un petit côté fun. Voilà, et pour indiquer où se mettraient les photos. Alors, ici, j'ai... lui, il doit venir là. Alors, rabat, bas, intérieur, gauche. Vous allez voir, tout est sur, la fiche technique, d'accord? Pour la partie en bas à gauche, le papier mesure 9,3 par 8,3. 9,3 par 8,3, le papier blanc ici. À l'intérieur. D'accord?
Ensuite, j'essaye de prendre dans l'ordre, hein, puisque j'ai tout calé avant. 9,3 par 12,1. Celui-ci, il va venir, c'est un petit peu celui de l'extérieur, il viendra ici. D'accord? Là, ici, vous pouvez aussi mettre du papier design. Hein. Donc, 9,3 par 12,1 morceaux de papier blanc simple, ce qu'on peut dire être à l'extérieur. D'accord? Alors, je continue de trier mes petits papiers. Voilà. Juste pour vous donner les choses dans le bon sens. Voilà. Là, c'est le petit rabat. Ici, j'ai mon papier blanc simple à nouveau. D'accord? Vous voyez ici, je n'ai pas arrondi. Ici, j'ai arrondi pour suivre la continuité de la base de l'album. Donc ici, c'est ce qui est appelé le rababat intérieur central. Ici, ça mesure 9 par 8,3. 9 par 8,3. Ok? Donc là, je suis sur l'extérieur. Ici, je suis sur l'intérieur. Un autre morceau de papier blanc simple pour le centre qui mesure 8,9 par 12,1. Je voulais zoomer, mais... Et il vient ici. Ensuite, j'ai ici le troisième morceau de papier blanc qui vient à droite ici et qui mesure 9,3 par 8,3. C'est en fait la même mesure que celui de gauche. 9,3 par 8,3 pour le rabat en bas à l'intérieur, à gauche et à droite. Ok? Ensuite, nous avons ici le dernier morceau de papier blanc pour la partie droite, 9,3 par 12,1, 9,3 par 12,1, qui sont les mêmes mesures que celui de gauche. 9,3 par 12,1, mesures identiques à gauche et à droite. D'accord? J'ai volontairement laissé les volets du haut unis, mais vous pouvez utiliser les mesures que je vais vous donner par la suite pour l'extérieur pour faire la même chose à l'intérieur. D'accord? Alors, je vais déjà coller tout ça dans un premier temps pour que ça ne se balade pas. Donc celui-là, le volet de gauche, 9,3 par 12,1, ça vient ici. Ok, la partie centrale, 8,9. Par 12,1 au centre. Voilà. Et la partie de droite. 9,3 par 12,1 à droite. Je crois que c'est ma faute si elle t'appelle comme ça. J'ai dû le lâcher à un moment donné. Voilà. Allez. Ensuite, le rabat, le petit volet plutôt en bas à gauche. 9,3 par 8,3. Celui du centre, 9 par 8,3. Et celui de droite, 9,3 par 8,3. D'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir toutes les mesures avant. Voilà. Et je viens, hop, coller celui-ci que j'avais préparé également, 9,3 par 12,1. Voilà.
Ok. Ça avance. Ça va? Je vois qu'il y en a plein qui sont restés quand même, hein. Je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes des amours. Voilà. Alors, on continue. Nous allons nous attaquer donc à ce petit volet. Hop, 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 qui va venir ici. Celui-ci. Nous avons un papier de matage qui, j'arrive pas à l'attraper, mesure 9 par 3,3. 9 par 3,3, le papier de matage. Hop. Et le papier design qui vient par-dessus, qui mesure 8,5 par 2,5. Voilà. Le papier de matage pour ce petit volet là. Voilà. Le papier design 8,5 par 2,5. Oui, c'est super sympa. Et en fait, ce set de tampons, il est tout nouveau dans le catalogue annuel. Ça faisait longtemps qu'on avait envie d'avoir un appareil photo justement pour simuler l'endroit des photos, par exemple, puis pour nos albums photos, hein, tout simplement. Et ça y est, nous en avons un. Je peux vous montrer le set d'ailleurs. Bougez pas. Si je l'ai sous la main. Alors. Je vous le montrerai après, parce que dans tous mes tampons, je pensais l'avoir préparé, mais je ne l'ai pas préparé. Ok, hop, ici, donc ça on a sur le petit volet, on va venir décorer ici. Donc là vous voyez, il n'y a pas d'arrondi. Donc on est sur un morceau de matage, ici le blanc, 9 par 8,3. Ok, et là je pars sur le noir et blanc, qui mesure 8,5 par 7,8. 8,5 par 7,8. Ah bah Lulu, ça tombe super bien alors. C'est top ça. T'as vu, il est sympa, hein. Puis il y en a tellement dedans en plus. C'est vraiment trop cool. On peut jouer avec les couleurs et le noir et blanc. Je trouve que ça donne super contraste. Voilà, donc là je pars sur le noir et blanc justement. Sweet Farewell, oui exact. Merci Sandrine, elle vous a mis la référence du set de tampons qui contient le super appareil photo. Il y a aussi une super valise, un petit bateau, vraiment très sympa. Vous avez vu ce contraste de couleurs, j'adore. Alors, on continue. Et bien là, on va venir décorer. Hop! L'extérieur de ces petits rabats. Ici, toujours le papier de matage qui mesure 9,3 par 8,3. On est toujours beaucoup dans ces mesures-là, hein, bien sûr. 9,3 par 8,3. Le papier de matage ici et là. Voilà. Et le papier design 8,8 par 7,8. Et il en sera de même pour la partie de gauche. Voilà. Et les mesures sont identiques. Donc ici pour la partie gauche, pardon, 9,3 par 8,8. Voilà. Et voilà. Cathy, je suis en train de penser que si ce papier il te plaît, la prochaine fois que tu seras hôtesse dans le club des Blends, tu pourras le choisir, ma belle. Ok, on avance. Alors, ensuite.
Hop, vous avez vu, tout simple. Voilà, on a les belles couleurs. On va venir ici s'attaquer, hop, à ces trois volets. En juillet, bah voilà, en juillet, tu pourras l'avoir, ma bichette. Hop, genre... Mais oui, je suis sérieuse. Club des Blends, ouais, c'est, il faut atteindre les primes créatives, donc ça sera bon. Alors, ici, on a voilà, ce principe-là, je vais vous donner les mesures, je le positionne. Voilà, hop, ici, et ça viendra ici. Donc, pour les mesures du rabat de gauche et du rabat de droite, ce sont les mêmes. Le papier de matage, ici, 9,3 par 4,5. 9,3 par 4,5. Donc ça, c'est le papier de matage, hop, pour le petit volet à gauche. Son papier design, 8,8 par 4 cm. Et donc, les mesures sont identiques pour la droite. Tasse de la joie. Là, tu vois. Ok. Donc, je viens coller ça maintenant. Oups! J'ai perdu mon papier. Je vais aller le rattraper. Bougez pas. Vous voyez, heureusement que j'avais tout coupé avant. Hein. En live, sinon c'est pas possible. Ça prendrait trop de temps. Hop. Voilà. Et pour celui du centre, au revoir. 9 par 4,5 pour le papier de matage. 9 par 4,5 pour le papier de matage. Voilà. Et 8,5 par 4. Ah oui, je me cache. Mais non, je vais aller chercher mon papier design qui était tombé. 8,5 par 4 pour le papier design au centre. C'est très très coloré, hein, vous avez vu. J'aime bien. Et donc forcément, beaucoup plus flashy que croquis du jardin, hein, on est d'accord. Ok. Voilà. Ici, si vous voulez, pour celles qui le feront en replay, j'avais éventuellement pensé à mettre des aimants. Mais bon, c'est une option et c'est un petit peu court en fait ici. Donc il faut vraiment des aimants assez petits. Oh, avec plaisir, ma Sandrine. Ok, ok, ça se referme. Donc maintenant, on va venir décorer nos extérieurs. Et ça sera presque terminé. Oui, oui, c'est très coloré, c'est très pétillant. Je trouve que ça fait du bien, on a besoin de couleurs. Alors, maintenant, je vais pouvoir décrocher mon double face. Voilà, donc là, on va attaquer l'arrière donc de l'album. Hop. Avec un morceau de papier matage et un morceau de papier design, évidemment. Le papier matage fait 12,1 par 8,9. Et le papier design, 8,4 par 11,6. Donc, je répète, le papier de matage, 12,1 par 8,9. Et le papier design, 8,4 par 11,6. Exactement, Lulu. Tout à fait. On pourrait aussi le coloriser pour faire des rappels. Et donc, ça va venir se coller ici à l'arrière. Et on va pouvoir ainsi maintenir d'une manière supplémentaire notre ruban ou notre ficelle qui va servir à fermer hop, notre album. D'ailleurs, je vais remettre un petit peu de colle ici. Que je ne veux vraiment pas que ça se sauve. J'ai déjà eu le problème, donc c'est pour ça que j'insiste. Hop. Voilà. Voilà. Du coup, vous voyez, j'ai pas mis mon papier, mon double face trop au bord. Donc c'est parfait ici, il n'apparaît pas. Voilà. Le double face et la colle
vont vraiment faire en sorte que ma ficelle ne se sauve pas au moment où je vais vouloir fermer. Voilà, donc ça va être nickel. Déjà, rien que ça, ça rend bien. Ici, même principe, les mesures sont les mêmes. Voilà, à l'avant et à l'arrière. Alors, j'ai déjà préparé la déco de l'avant de mon album. Voilà, je fais durer un petit peu le suspense. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop, je fais juste en sorte que mon double face colle bien. Voilà, donc le papier matage, c'est la même chose. Donc, nous sommes à 12,1 par 9,3 et le papier design 11,6 par 8,8. Ce sont les mêmes mesures que pour l'arrière. Non, je me suis amusée en fait. Voilà. Hop, parce que toi, la ficelle, je veux que tu restes en place. Et du coup, voilà ce que je me suis amusée à faire. Ce ne sont pas exactement les mêmes mesures que l'arrière. Oui, jusqu'au bout. Je me suis trompée. Non, mais... Ah bon? Bon, bah tu les as mises. Pour aujourd'hui. Coucou Céline, oui, pas de problème pour le replay. Oui, un petit macareux. Voilà. Hop. Voilà la déco. Donc ça flash, hein. C'est ce que je vous avais dit. Rien à voir avec la première version, on est bien d'accord. Et en fait, ce sont ici des découpes avec un set de poinçons que vous n'avez peut-être pas remarqué, ou alors que vous avez déjà dans vos étagères, avec plein de petits mots comme celui-ci. Et du coup, ben voilà, je les ai découpés dans le papier noir pour qu'il y ait un réel contraste en fait avec le reste, avec les parties blanches et les parties très colorées. J'ai utilisé les cœurs en résine, vous savez, on les avait avec les petits escargots. Et puis, j'ai détouré donc le tamponnage du macareux que j'ai collé donc avec des dimensionnels en 3D. Voilà. Et donc, le fameux set de poinçons, il est là. Hop, c'est celui-ci, mot de souhait. Et du coup, bon, voilà, vous avez Saint-Valentin, Noël, Bonne, Pâques, je vois pas tout, année, fête, journée, des pères, des mères. Voilà, donc vous avez de quoi faire des petits sentiments assez sympas. Les petits cœurs, oui, les petits cœurs, ils sont à moins 50% en ce moment, les petits cœurs en résine. Bisous crapouillot. Donc voilà, ces petites découpes sont très très sympas, hyper pratiques. Et vous avez vu, ça donne un super effet, je trouve, pour plein de choses, pour des jolies cartes par exemple. Ou des beaux albums. Et donc voilà, hop, donc je vais remontrer une dernière fois ici. Donc le contraste entre le papier très très coloré ici. Voilà, hop. Voilà, ça change du côté très doux de croquis du jardin. Mais c'est très gai, je trouve, et ça fait du bien avec l'arrivée de l'été. Du coup, là, je peux refermer mon album. On a de la marge pour pouvoir rajouter nos photos derrière. Hop. Et voilà. Ok, pas de problème, Rachel. Ben, je suis contente que déjà vous pensiez à mettre les photos dedans. C'est top. Hop. Et voilà, donc là vous avez, j'ai tout de travers hein, aujourd'hui, les deux versions. Dans la version très tendre, limite romantique avec croquis du jardin, et puis la collection un peu plus péchue, un petit peu plus
voilà, un petit peu plus festive et estivale, avec motif, jeu de motifs, motif en fait, avec les petits macaros. Voilà, deux versions très différentes. Vous le savez, vendredi, je vous proposerai une troisième version dans une autre collection. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je reprends, je reviens ici avec vous. Voilà, j'espère que malgré mon gros coup de pression, vous avez passé un bon moment. Je vais aller tout de suite charger la vidéo du replay dès qu'on aura coupé. Et puis, pour que vous ayez très rapidement donc la fiche technique, comptez une petite demi-heure. Merci Sonia. Et puis comme ça, vous pourrez avoir la fiche technique, le replay et tout, il n'y aura pas de soucis. Merci Martine, une très belle idée pour la fête des pères. Ah oui, super. Merci Fatou. Moi, je posterai le résultat dans quelques jours. Je vais le détourner pour offrir à la maîtresse. Ah, génial Camille, c'est une super idée ça. Merci Ingrid. La collection, c'est motif en fait, celle-ci, et croquis du jardin ici, Muriel. Merci Sandrine. Merci Kiki, je ne sais pas qui vous êtes, je crois que je ne vous ai jamais vu encore. Merci d'avoir été là et d'être resté jusqu'au bout en tout cas. À très vite pour voir votre projet. Merci Ingrid. Oh ma petite Mumu, je t'embrasse fort ma belle. Merci Marianne, c'est adorable. Merci beaucoup, beaucoup. Sandrine, tu m'appelais Aroni. C'est mignon aussi Aroni. J'adore. Merci beaucoup, beaucoup à toutes et à tous pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre présence et votre soutien, surtout dans, voilà, dans mon entreprise, dans mon métier. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous très, très vite pour la suite de la troisième version, le prochain projet de la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaira. Et surtout, j'ai hâte de voir vos réalisations. N'oubliez pas, si vous les publiez, hashtag HarmonyScrap, comme ça je suis notifiée et je peux moi aussi profiter de vos versions, ça me ferait très très plaisir de les voir, d'accord? Ça marche, allez, je vous embrasse très fort, merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao tout le monde!